Tout à l'heure, est-ce que 11 haïtiennes et 11 joueuses île Caïman, et puis c'est parti. Mais malheureusement, faut s'alerter, puisque ballon pas centré derrière, ballon c'est devant que ça centré, et bien c'est pral reparti. Eh bien, c'est parti, mesdames et messieurs, c'est l'équipe haïtienne qui gagne le ballon dans la défense avec donc Gertrude Saint-Jacques. Gertrude qui te joue avec la capitaine Sobodi de Rosin. De Rosin qui fait un passe à droite. Mesdames haïtiennes, vous avez un ballon sur la passe pour Borgela. Bonsoir qui tire. Attention, mais c'est pour Emily Kelly, la portière de la sélection des îles Caïman. Rapidement qui dégage. Et un coup franc pour la sélection de Caïman. Coup franc qui va l'exécuter donc sans ni doute Marissa McLaren. Marissa qui prend l'élan, ni balancé. Mais c'est pour la défense de la sélection haïtienne de football avec Clarette Rato qui va retirer le ballon là dans la surface là, il dégage ballon à jouer avec donc Ayana Jean-François gagne le ballon. Ayana la passe avant, attention, ballon qui a contrôlé avec Dionis Jean-Baptiste mitte terrain, balle perdue. C'est donc et Marissa McLaren qui dégage le ballon. Danger pour Haïti et faute. C'est pral un coup franc pour l'équipe île Caïman. Un coup franc qui pral exécuter donc la ligue couleur finale là vraiment. Oui, je pense que son match commence sous les chapeaux de roue, pas une grande observation. Et que ce soit du côté de Haïti, que ce soit du côté de île Caïman. Mais... très dangereux, j'en nous dis là, coup franc exécuté, attention. Mais c'est pour Madeline Delice, la portière, sélection haïtienne de football. Madeline qui pral dégager Kani. Rapidement, c'est ça qu'il fait. Il dégage lui en avant pour qui est-ce. Mais c'est pour. Il a joué avec Gertrude. Gertrude, jeune Rato. Rato, tu joué avec Gertrude. Bien joué donc. T'agis donc de Ayana Jean-François. La passe en avant. Possibilité de marquer. Est-ce que le goal? Mais non! Depuis, nous sommes capables d'ouvrir ce score là, malheureusement. Ballon pas fait route que premier goal, c'est Rosemar Borgela. On dit que c'est meilleure buteuse en compétition jusqu'à présent qui prend chance. Mais ballon a passé tête goal. C'est pour là, 5,50 m pour l'équipe île Caïman. Eh bien, on dit que gagné Ayana Jean-François a retourné dans le match de football là. Oui. Dégagement qui prend le fait de Jean-Baptiste. Ballon qui a joué avec Ayana Jean-François. Ayana à la lutte avec Ashley Chim, qui est celle qui a des raisons. Bien joué. Équipe haïtienne a joué là avec Gertrude Saint-Jacques. Gertrude Saint-Jacques pour Roselor Borgela. Roselor Borgela qui s'entrée. Attention. Danger pour l'équipe Ilgaïman. Attention. Ballon à l'entrée de la souveraine de réparation. Borgela, Roselor Gayenne. La passe quand même. Pour qui Isaïe Dogan de Ayana Jean-François. Bon dribble réalisé par Ayana. La passe dans le trou pour Borgela. Non, Borgela, ça va pas bon, Borgela. Ballon qui capté par Emily Kelly, la gardienne. Mais ça faut profiter de la sélection des îles Caïman avec Chelsea Bouche. Chelsea Bouche, il joue Ali Chachim. Il fait passer en retrait pour Chelsea Bouche. Bouche qui balance. Attention, est-ce pour. Et Alissa Monté, danger pour Haïti. Attention, est-ce que c'est goal? Mais Poto a sauvé nous. Dégagement de la cabine de la sélection haïtienne de football. Ça sont fausses alertes pour la sélection haïtienne de football. Monté qui font passe, mais c'est pour Rato. Toi qui récupère là, c'est pas pour longtemps. Frédéric Chanel, la passe dans le trou. Danger pour Haïti. Mais on dit que défense équipe haïtienne très très menaçante. Il Caïman très motivé à Soya. Ballon joué là. Dans le terrain avec Chanise Monté. Chanise. La passe de Chanise. Par une position avancée. Frédéric Chanel. Danger pour le 11 national. Bien joué Madeline Delice. Alors c'est jeudi, on a pour une vraie valeur Madeline. Puisque face à Il Viège,
côté, il va jamais jouer. Je pense que le même que défenseur, il va jamais mettre la difficulté. Et c'est jeudi à nous-mêmes, la tête toujours quand même. Et pour pas écaillement, et pendant plusieurs fois, il mettait nous en difficulté. C'est ça, il y a un attaquant de la sélection haïtienne de football. Il y a possibilité pour nous marquer pour le goal. Attention, est-ce que le goal, mais non. Bien joué, Emily Kelly. Ballon qui sortit en touche. Touche pour les touches assurées. C'est Florent Rato qui gagne et habite à mettre fin dans le premier mi-temps. Match football, ça. Une mi-temps qui finit 0 goal. Mais anticipation dans le cœur de Rosine Yacinta pour l'équipe haïtienne. Balle au niveau du Romédian avec Ayana Jean-François. Attaque donc les haïtiennes. Avec qui? Avec Florent Rato sur la gauche. Mais dégagement de la défense des îles Caïmans avec Marissa McLaline. Attaque des Haïtiennes. Danger. Attention, on cherche le premier but. La balle captée donc par Emily Kelly. Bon, au niveau de la sélection nationale, ce début de deuxième période, parce que la période de sur 17, il faut continuer et passer consigno pour que Josué temporise un peu, calmer un peu. Comprendre ça, ces petits jeunes, ces petites filles. Attention, elle attaque. Est-ce le but? Attention, non, pas à Guingol. Oui, attention, L'équipe haïtienne qui vient de marquer, chers amis auditeurs et téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Et c'est donc le but. Et oui, bien joué de la part. Les Haïtiens, c'est bien sûr Yvon Javil, si je ne m'abuse, qui vient d'ouvrir le score. Et bien sûr, c'est le délire ici au Stade National sur 14. Ah oui, c'est le but. Tiken Gola, c'est fini Dominique. Bon, en pile, nous avons souffert, hein, parce que nous avons un goal, l'arrivée faite. Ben, nous pensons que, mesdames, nous allons travailler pour notre goal. Attention, 1 pour Haïti, 0 pour Île Caïman. Attention, pour tête de la défense des îles Caïmans. Mesdames, KPC, OSC a sorti là. Mais récupération des Haïtiennes. Attention, la passe. Mais Sandretti, au goal, mais non. Corner pour la sélection haïtienne de football. C'était au tir de Roslo de Silvio Cato. Pendant ce temps, l'équipe haïtienne a bénéficié d'un corner. Corner qui pourra l'exécuter. Il y a environ 4 haïtiennes dans la surface de réparation. Encore une exécutée. Attention. Poitier la sortie. Le ballon n'a rien possibilité de deuxième goal. Mais non. Ballon rencontré. Dégagement touche de la défense des îles Caïman. Ballon qui pourra jouer avec l'équipe haïtienne. Ballon retourné la camp haïtien. Balle en avant. En direction de qui? Anticipation. Quelle erreur de la défense. Ça arrive souvent avec la capitaine Tacita Berry. L'équipe haïtienne qui combine avec Roselot Borjola. Attention, est-ce le deuxième but? Attention, mais non! J'ai l'impression, Yves Javille, c'est là qu'on le montre. Attention à ce coup franc. Et bien sûr, comme l'a si bien dit, c'est la fin de cette rencontre. Victoire donc de Haïti 1-0 au départ des îles Caïmans. Un but justement de Yolande Véronée à la 60e minute de jeu. L'heure de jeu et qualification donc, et nous capables de dire, 30 goals marqués par Haïti, nous pas prendre goal, une qualification 9 sur 9, autant dire que l'équipe ça a besoin d'encouragement, secteur public, secteur privé, pour continuer et faire coussin Kabdi et la compétition. Un gros merci quand même à tous les collaborateurs qui ont contribué à Belle Semaine. Voilà, quel bel geste, fair play, le franc jeu. Capable de remarquer, mesdames. C'est quand même du nouveau, hein.
et une belle bague qui a passé la Sabdala. Et le staff technique des deux côtés, que ce soit du côté des îles Caïmans, les joueuses, Haïti, main la main, et pour saluer quand même ce public qui était fidèle.